Peuple Congo, Mbotchabeno, gouverneur de Mpangala. Fumukai. Mungkin ala ksabe une vidéo yayi. Ba ma mungkin akwa vraiment c'est incroyable. Abuntete mutala muntu kena luvunya fasiyai. Luvunya fasiyai c'est moyen que façon qui ndoki donc façon muntu kena zola ku fwa muntu. Yayi bangonda 6 mois bientôt 6 mois. Ben uwa ba luvunya kena zonza. Balaba yaye teleno kwa bungu ba mona bakala ou ça dit que ça dit que tonenje nika yaka même les utiliser ba mamba fédération no fédération le comme façon capuche ayandi verse yandi na lua ta samna kuvunina ba bantu mais c'est incroyable ben tel même vidéo ya ben tel même si ben tel ben kuwa le vunu on dirait monde que la zoza ba vérité ben kuwa là où les jeunes vont venir enregistrer la musique payé par les mossi fourni par les mossi et les mossi vont le donner avec quel argent? Avec l'argent qu'ils ont oublié au Congo. Donc pendant que nous, nous pleurons chez nous là-bas, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Mais quand il veut être un patron, avec un studio, hein, avec tous les équipements, il va venir faire même des lives, vous filmer, nous faire la gueule, nous les pauvres, il dit voilà ce que moi j'ai. Avec l'argent des Mossi. Voilà pourquoi ils ont vendu la fédération. Vous comprenez? Donc, la première tranche qu'il avait reçue, d'après la première information, c'est 31 000 euros qui étaient équivalents, nous avons converti en francs CFA. C'était 20 334 667 francs CFA. 20 334 667 francs CFA. Non, ça c'était 31 000 euros. Donc apparemment, là, on parle d'une deuxième tranche. Et là, nous avons écrit ici « reçu ». Une deuxième tranche de 60 000 euros. Et 60 000 euros en francs CFA, nous avons converti. C'est 39 357 420. Je répète, 39 457 400, 357 420. Donc, la deuxième tranche qu'il attend avant le 15 août. Comme le 15 août, c'est le deuxième anniversaire de Mbongi, de notre alliance éternelle des peuples congolais, notre deuxième anniversaire. Partout là où il est passé, il a eu des problèmes avec tout le monde qui est dans la diaspora ici. Il y a des problèmes partout là où il est passé, là où il y a eu un mouvement politique, ça n'a jamais fonctionné. Il est venu, depuis qu'il est venu avec moi, il travaille avec moi, il était venu en mission pour me surveiller. 6 mois qu'il est en train de me dénoncer. Et tout ce qu'il raconte là, il n'a aucune preuve. Je n'ai jamais vu un homme aussi dangereux. S'il est capable de raconter ce genre de bêtises, demandez à tous ceux qu'il a diffamés. Il a eu des problèmes avec tout le monde dans la diaspora. Il passe son temps à mentir. 5 mois ou 6 mois, il est en train de diffamer.